Bonsoir à tous, vous êtes sur IRM.radio et ce soir c'est Bad Look avec Marthe. Bad Look c'est quoi? C'est l'émission qui scanne le look de nos people. Au programme ce soir, on vous a préparé une émission spéciale NRG Music Awards 2019. J'ai impatience qu'on me décortique tous ces looks. Il est 20h02 et je suis en compagnie de Brice, yeah. Anouar, ooh, yeah, et Zénab. Cool. Vous pouvez dès à présent nous retrouver en direct sur Twitch. Et on attend avec impatience notre invité de ce soir. Vous le découvrirez dans quelques instants. Quelques instants, excusez-moi. Rip le français. Je te jure. Vous allez bien, vous? Ouais, ça va. Amdoulilah. Exactement. Ça, on est et bien. Et toi, alors? Moi, ça va. Les raisons. Bref. T'as dit quoi? Elle a voulu te lancer un pic, je crois. Elle allait dire quoi? Depuis hier, je la cherche. Non, mais depuis hier, tu me cherches. Toi. Sérieux? À ce point-là? Comme tu me cherches autant, on va commencer avec toi. Tu vas me trouver. Oui. Ouais, c'est ça, on va commencer avec toi directement. Avec grand plaisir. Ça va, Zineb? Ça va et toi? T'es bien sapé aujourd'hui, hein? J'aime beaucoup ton accoutrement, il me plaît beaucoup. Il a dit accoutrement quand même. Hein. J'aime beaucoup, c'est plutôt, c'est dans l'air du temps. C'est plutôt sympa, c'est cool. Je vais le taper, votre poteau. Non, tu peux pas me taper, toi, moi, on est ensemble, bisous d'abissou, tu connais, dans ton pied, mon pied. Hein. Wakanda. Hein, voilà, c'est ça. Voilà, bref. Wakanda. Enfin bref, Zénab, c'est à cause de lui, là. Ça y est. Voilà. Allez, ça commence. Bon, il est à peine 20 Zénab, ans. Zénab, je te jure. Comme Zendaya au début, tu vois. Non. C'est pas la même chose du tout. Alors, Zénab. Ouais. Tu m'as préparé des looks spécial NRG Music Award. Oui, quelques looks. Ouais. Le premier, tu veux commencer par lequel? Déjà, pour ceux qui ne savent pas, les NRG Music Awards, c'est une cérémonie de récompense qui récompense en fait tous les artistes qui ont marqué l'année 2018. Surtout francophones. 2019, ouais. En France, ouais, les artistes francophones, mais pas que, hein, parce que Ariana Grande a gagné quand même un prix. Elle était même pas là, elle était même pas au courant. Non, elle était même pas au courant. C'est ça le pire. Ouais. C'est une fan qui lui a dit sur Twitter, je crois, t'as gagné un prix. Donc c'est hyper. Tu vois à quel point cette cérémonie, cet événement, il est tellement pas pris au sérieux à l'échelle internationale. Et c'est super dommage parce que l'NRG Music Award, je trouve que ça a vraiment perdu de sa valeur. Et T'as un peu mal à la gorge toi aujourd'hui, je trouve, non? Non, pas du tout. Non, c'est que t'es en train de muer en direct. Non, c'est que j'avais un chat dans la gorge et je n'osais pas faire. Non, je trouve que c'est un événement en fait qui est en train de. Je sais pas, c'est. Dépérir. Bah, franchement, oui, c'est en train de tomber. Hein. C'est que la 21e édition. Et... C'est que quoi? C'est que la 21e édition. Parce que pour toi, 21e, c'est pas trop déjà. Bah non, c'est pas trop. Genre, il faut que. Il a dit c'est que. Comparé à certains autres événements hyper connus dans le monde. Ouais, dans le monde. Et voilà. Notamment aux States. Voilà, aux États-Unis, ouais. C'est ça en fait. Ah, c'est un autre level. Hein. T'as les AMA, t'as les MTV, t'as les machins. Bah, en fait, aux États-Unis. La différence avec la France, c'est qu'ils ont des cérémonies pour tout et pour rien. Ouais. C'est bien, mais... ouais, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien parce que c'est une façon de se montrer et de promouvoir sa culture aux yeux du monde. Hein. Bah, t'as pas tort sur ça. Nous, aujourd'hui, on essaie d'avoir ce côté américain. On essaie de s'américaniser, que ce soit dans l'entertainment, que dans la façon de s'habiller, dans tout ce qui est musique. On essaie de ressembler aussi aux Américains. Un exemple tout bête, tu vois, aux États-Unis, ils ont Cardi B, Nicki Minaj. Nous, ici, on a Aya Nakamura, tu vois. On a Aya Nakamura, on a Shai Easy peut-être, tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. qui ressemble, mais c'est pas pareil. Donc ça veut dire que tu critiques Aya Nakamura là. Non, je ne peux pas critiquer Aya Nakamura. Juste, je constate. Aya Kamanara. Voilà, c'est ça. Déjà. Je ne critique pas, je constate. Tu vois ce que je veux dire. Je ne critique pas, je constate. Voilà, c'est tout à fait ton t-shirt. Je veux dire aujourd'hui. C'est tout à fait ton. Je vais juste constater aujourd'hui. Je suis un constatateur. Mais t'as quoi à dire sur elle du coup? Non, Aya Nakamura, c'est un personnage. C'est une personnalité à part entière. Elle s'est créée un personnage. Bon, c'est vrai qu'au début, dans Je suis tombé love d'Avayou, la PP, c'était pas la bonne, mais elle a quand même trouvé. C'était compliqué, hein, vraiment. Là, c'était dur. Bon, aujourd'hui, on va dire qu'elle a une équipe derrière elle qui permet d'avoir une autre image de ce qu'elle avait avant, tu vois. C'est vrai qu'on voit la différence avec After et Now, tu vois. Ah non,
mon gars. Je suis à la place de Shanika, donc je parle anglais un peu. et toi, Zeynep, qu'est-ce que t'en penses en fait de tout ça, de du fait déjà que qu'il manque des events en fait en France quelque part. Mm-hmm. Parce que même en vrai, dans notre émission, on a du mal à faire ressortir la brochette de people française. On a grave du mal. Et la plupart de ceux qui ressortent, c'est souvent des gens qui fréquentent les quinries, tu vois. C'est pas des Français, tu vois. Mm. C'est souvent des gens qui fréquentent les Américains ou qui font comme eux. Mais ça, c'est dommage. Ouais, c'est dommage parce que tout le temps, on essaye d'imiter les Américains. Niveau télé-réalité, toutes les télé-réalités qui existent aujourd'hui en France, ça a été, c'est du copier-coller. Ouais, c'est ça, c'est du copier-coller. La plupart, c'est du copier-coller. C'est ça. Et c'est plus, ils ont plus de visibilité. Enfin, ils essaient d'avoir, de créer une originalité ouais. Sauf que c'est un flop. Mm-hmm. Tu peux pas prendre un style américain, essayer de le réadapter mm-hmm. aux Français. Déjà ouais. les Français ils ont, enfin je suis désolée, mais ils sont pas très ouverts d'esprit, ils sont ouais. très c'est vrai. Non, c'est vrai, alors c'est que totalement les Américains sont très totalement cordes avec toi, chill, tu vois, ouais, feeling ouais. So oh my god, Shanika sort de son oh my god oh. Non, mais je trouve ça dommage. Mais après, parlons de Aya Nakamura. Moi, j'aime bien sa musique. Ouais. J'aime beaucoup son parcours. Mais qu'elle change d'équipe niveau ouais. Tenue. Parce ah ouais, là, tu penses. Et surtout, pourtant, par rapport au début, elle a glow up un peu. Il y a un moment qu'elle était. Je pense qu'elle est l'égérie de Magnum. Mm-hmm. Qu'elle a fait cet événement, elle était super belle. Ouais, elle était magnifique. Oui, il n'y avait rien à dire. Ouais, ça, c'était parfait. Parce qu'on voit que c'est l'équipe Magnum derrière. On y a cru. On a dit, ah, je pense qu'elle a changé d'équipe. Mais là, ce qui s'est passé, ah non. On est revenu Music Awards. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a choquée. C'est une catastrophe aux Energy Music Awards. C'est pas possible. C'est pas possible. Même ses tenues de scène, on voit qu'elle. En fait, cette femme, je pense qu'elle se rend. Elle ne se rend pas compte de la morphologie qu'elle a. Et elle porte des tenues qui ne lui vont pas. Après, elle n'est pas à l'aise, même quand elle marche et tout. On lui jette la pierre, mais après, il n'y a pas qu'elle. Oui, non, il n'y a pas qu'elle. Je trouve que c'est celle qui même essaye de remonter un petit peu le niveau, tu vois, et qui ose certaines choses. Qui ose, choses. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Exactement, c'est une personne qui ose. Et ça, je la salue pour non, ça. Mais non, c'est bien. Après, moi, je pense que, là, elle n'a pas pris... Enfin, elle n'a pas fait d'effort niveau vestimentaire. En même temps, elle n'a pas eu de prix, donc tant mieux, elle aurait eu un prix. D'ailleurs, ça, c'est une catastrophe. Elle n'a pas eu de prix, elle n'a rien gagné. Alors que pourtant, elle était. Ah oui, elle était vraiment. Ni Dadju, ni elle, les seuls qui ont eu des prix, comme d'habitude, Mpokora, l'autre. Non, attendez, parce qu'on peut parler d'Mpokora, moi, je ne sais pas à quelle heure ça a été la révélation masculine de l'année. Vraiment, le mec, il a fait une pause et est revenu. Après, il faut quand même dire que Mpokora, ça va quand même, c'est. Non, pour ma part. Non, franchement, laissez-le énoncer son avis, s'il vous plaît. C'est vrai que moi, je suis friand de tout ce qui est artistique, scénique, showman, showgirl. Oui, c'est un showman. Stylé, ce genre de choses-là. Le seul, dites-moi, citez-moi un nom d'un artiste français, showman, styliste, beau gosse, qui se fringue bien et qui danse bien. Citez-moi un. On ne parle pas de ça. Moi, je te parle de au niveau des ventes, etc. Ouais, même des coûts de stream. Oui, c'est pas lui, on n'entend pas parler. C'est vrai, c'est pas faux. Mais après, effectivement, on se base aussi sur pas mal de choses qui sont autour. Et après aussi, c'est une question marketing. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il était dans pas mal de télécrochets. Il était jury notamment dans c'est pour TF1. C'est une question de TF1. Donc c'est normal, tu vois ce que je veux dire? C'est un personnage de TF1. Et du coup, TF1, ils vont forcément le mettre en avant. Ils aiment trop faire ça de façon. Il faut forcément, tu vois. Donc, après, là, il y a une question de légitimité qui se pose, même pour ce genre d'événement, en fait, finalement. Parce qu'on se rend compte que des personnes qui gagnent ne méritaient tout simplement pas de gagner. Ouais. Donc là, est-ce que les Energy Music Awards, c'est légitime? En fait, on soulève c'est pour ça. C'est peut-être pour ça que c'est pas pris au sérieux. Hein. Peut-être. Vous voyez que de moins en moins de stars internationales se déplacent. Ouais. Ils sont là, ils laissent un vieux message dans l'ascenseur. Thank elle a laissé you. Un message dans l'ascenseur, Lady Gaga. Entre deux scènes, genre elle est en plein concert, elle était dans l'ascenseur, elle fait Thank you guys for this prize, I love la France et tout. En gros, elle a dit merci. Oh my god, I have to go to my show, machin, et elle se taille. Elle s'en bat les d'énergie, c'est frère. Ça, c'est ça. Il y en a qui s'en foutent, il y en a qui font même ça aux toilettes, tu vois, ils sont là.
Ariana Grande, comme elle a dit, Marthe, elle savait même pas. Non, mais Ariana Grande, ça m'a choqué. Elle a dit, il y a une fan qui lui a dit, ouais, je suis trop, félicitations, je suis trop fière de toi et tout, je t'aime, mon bébé. Elle a répondu, what? Oh, thank you, I love you too, tu vois, seulement. Enfin, voilà, tu vois, c'est. Non, mais ils sont pas mais c'est hyper dommage. Ouais, c'est... En fait, c'est ça fait pitié, limite. C'est gênant. Après, tu sais pourquoi je pense, enfin, je dis, tu sais, comme si moi j'avais la science infuse, mais c'est juste que je vis avec mon temps. Et je pense qu'en fait, c'est un truc qui vieillit trop. En fait, ça vieillit et les gens qui présentent ce genre de truc, même si Nico, c'est un très bon animateur, ah oui, ce genre ça, de débat. Ouais, mais déjà, je suis désolé, quand tu te trompes de nom des gens, tu vois, qui sont sur scène, tu connais pas les noms des gens. Ah non, mais attends, cette année, changer. T'as pas vu la bourde qu'il a fait. Oui. Il a viré un mec qui était nominé dans une catégorie pour que, justement, les personnes de cette catégorie prennent une photo. Tu vois, en fait, il savait même pas que ce mec, je sais plus comment il s'appelle. C'était qui, en fait. Oh, c'est un anglais, je me rappelle. Bah, tu vois, c'est ça, c'est encore des, il y aura encore des problèmes diplomatiques. Mais. Diplomatiques, carrément. Tu vois ce que je veux dire, c'est, en fait, ça, je pense que il faut vraiment revisiter tout ça. Mm. Il faut repartir à zéro. La méthode, elle marche plus. On rechange, tu vois. Le roi est mort, vive le roi, c'est tout. Tu vois ce que je pense qu'il faut peut-être qu'il change aussi de scène. Le lieu. Je sais pas si faut changer Cannes, c'est pas mal, hein, franchement. Cannes, c'est pour le festival de Cannes. Moi, je reste persuadé que Cannes, c'est pour le festival de Cannes. Tu voudrais le faire où dans 93, à Paris, il devrait le faire à Paris. Ah bah là, au niveau de la Grande Borne. Non, il devrait le faire à Paris, dans un vrai lieu. Moi, je suis d'accord avec toi. Un vrai lieu à Paris. Enfin, en fait, il faut vraiment qu'il redore l'image de cet événement. Et ça va partir. Il faut qu'il change même le lieu, même le format de l'événement. Il faut vraiment qu'il repense à tout, l'identité de l'événement. Si tu le fais à Paris, tu le fais où? Bah, avec y a plein de trucs. Y a ça, plein... Non, faire... non, ça c'est pas un souci, je suis désolé, c'est pas un problème. Non, tu peux poser un préfabriqué. Il y a bien des fashion week, hein. Il y a bien des grosses fashion week qui se font au calme. Pas de soucis les concerts, ils se font au calme. Ouais. C'est pas Energy Music Awards qui va poser un problème. Donc, Paris, c'est tellement grand que t'as des stades, t'as des salles, machin, arena, t'as plein de trucs. Et je pense que franchement, Cannes, Festival de Cannes, ça reste pour Cannes. Mais Energy Music Awards là-bas, je sais pas. Cette édition, il n'y a pas eu de grandes célébrités internationales. Avant, il y avait les Bruno Mars, il y avait les Ed Sheeran. Il n'y a plus rien. Là, il n'y avait personne. Il n'y avait que Jonas Brothers, et Sam Smith et l'autre, là, l'autre mec anglais. Il y a un mec anglais qui sort de nulle part. Bah, c'est lui, le roux. Oui, ouais, voilà, c'est lui que Nico Salagas a bougé de la photo. Ed Sheeran. En même temps. Non, c'est pas Ed Sheeran. J'ai peur. Il a bougé de la photo, il lui a dit ouais. Il a cru que c'était un technicien, tu sais. Ouais, je sais pas, franchement, il me fait honte, ce mec. En fait, je pense qu'il se fait vieux, en fait. C'est pour ça, en fait, tu vois. Je pense que... Et je pense que ce genre d'événement, même si c'est pas trop mon délire, je pense que ce genre d'événement a besoin de personnalités qui bousculent les codes, et qui cassent les trucs. Genre, Shaim, je suis désolé, mais cette meuf, quand elle frôle, elle était sur le tapis rouge... Elle était là, tu vois. Ouais. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas sa musique. Après, elle pompait un peu le style des Américains. Mais c'est pas grave. Ceux qui marchaient. Voilà. Tu vois, ouais. C'est ceux pourquoi, qui on invite pas, pourquoi on n'invite pas des Shy? Shy, t'as vu comment elle Shy, se sape ouais. On l'invite jamais. Shy. Pourquoi on n'invite pas des Booba, des machins? Non, on invite tout le temps les mêmes personnes. En plus, c'est Jennifer, ce hier, Angèle. Caris, Angèle, c'était sa première édition, mais c'est tout le temps les mêmes. Jennifer, machin, Mpokora, etc. En fait, si tu veux, c'est une question de marketing. Mais ils veulent pas des personnalités qui sont tendance, qui leur ramèneraient justement de la visibilité. Ils ont peur de pas pouvoir contrôler ces personnalités-là. Non, ça va, c'est des artistes, c'est des professionnels. Auparavant, quel artiste urbain ils ont invité. Bah, c'est ce que je te dis. Mais voilà, parce qu'ils ont peur de contrôler. Il y a eu des Camaro et tout. Non, il y a eu des Camaro. Camaro, tu veux me dire qu'il est pas contrôlable. Mais Camaro, il est contrôlable. Lui, il est contrôlable. Docile, va, tu sais. Va contrôler. Bah, c'est bien, justement. Moi, okay. Je me mets à la place de ces organisateurs. Mais Booba, tu moi, je l'invite. Oui, il fout le bordel. Mais en gros, ce que Brice veut dire, c'est que tu l'invites, c'est pas quelqu'un de contrôlable. Tu peux pas le contrôler. Tu pourrais le dire, si, fais ça, en fait. Il y a des gens, tu peux pas, en fait. Si, arrête, frère. Ok, entre un Booba et entre un Gims, tu peux contrôler un Booba? Entre un Dadju et entre mais un Kobalade. Tu peux gosse. Contrôler un Kobalade. Booba, il a sa personnalité. il a sa personnalité. Il aime. Entre un Shy Easy et un Jennifer. Est-ce que tu peux contrôler Shy? Non, mais il est sérieux. Non, mais c'est ce que je te dis. Parce qu'il y a deux poids. Tu peux les contrôler, c'est pas des non, gosses. Quand je te dis contrôler, c'est que si tu leur dis on va tourner c'est maintenant, ça. C'est maintenant qu'il faut aller sur scène. La personne sera encore soit en train de. Et alors chose, soit en train de boire. C'est pas grave. Ça fait partie des aléas. Pourquoi les Américains le font? T'as des Cardi B, c'est des Cardi B. Comme tu dis, c'est les Américains. Aujourd'hui, le programme, on a du mal. Non mais c'est vrai, moi je suis d'accord avec toi. Désolé, si t'avais regardé Urban Peace avant, tu connaissais Urban Peace ou pas? Non, c'est Urban pas ça. Peace, c'était un gros événement hip-hop où il y avait tous les rappeurs, les Roff, les Booba, les Sefyu, tout ça.
ça s'est arrêté parce qu'ils n'ont pas pu contrôler les artistes qui étaient là. Tout simplement. Après, après, je te dis pas de tous les ramener. Voilà, même mais, ouais, tu ramènes genre Shai et. Je sais pas moi. Damso. Ouais. Voilà. Attends, ils ont ramené Soprano. Bah il a chanté le coach. Oui, c'est Soprano, quoi cette musique? Non, mais Soprano, franchement, si tu m'entends, c'est un cri de détresse. C'est un SOS que je t'envoie. Reviens avec des vraies musiques. Ouais. Le coach là, on a compris. Il faut se lever. Il faut être motivé. Oh là là. Non mais tout ça pour dire que faut dépoussiérer les musiques. Faut les dépoussiérer vraiment. Quoi. Un bon balai là. Un aspirateur même. On va marquer une courte pause avec Like a Glue de Sean Paul. Yeah. Ça va nous rappeler des souvenirs. Ouais, vas-y. Soirée collée, sueur, tout ça là. Feel it now. Yeah, yeah, Sean Paul, so me go so then. Well, I don't really care what people say. I don't really watch what them want do. Still, I got to stick to my girls like glue. And I might not play number two. All I know, the time is just getting jet. Need a lot of trees up in my head. Got a lot of dental in my bed to run that real. Well, I know flick a girl, them out the road, them got the goody, goody. One thing me up, you tell them, don't take out the woody, woody. Front way, back way, cut the key, man, off it, show me, show me. Virgin, them want give me, and me up, it, okay, okay. Hot girls out the road, I say them, see me, see me. And I tell me, say them have something for gimme, gimme. How much time I night, them all a dream about the Jimmy, Jimmy. Them a promise, and I tell me, say a fimmy, fimmy. But a promise is a compare to a fool, so cool. But they don't know, say that man up, he rule, the school. When I pet them, just wet them up, just like a pool. When I dig me, terry, me up, he use up, me tool. Well, I don't really care what people say. I don't really watch what them want do. Still, I got to stick to my girls like glue. And I might not play number two. All I know, this time it is getting jet. Need a lot of cheese up in.
Beyoncé, vraiment, là, ils sont dangereux, quoi. Beyoncé, vraiment, ça, c'est de l'Est à l'Ouest. Non, vraiment, là, c'est à cause de lui que l'Afrique a bougé, tu vois, avant, là, tu vois. C'est quoi, les tu veux dire que ça, les plaques... C'est à cause de lui, les plaques tectoniques. À cause de lui, tout ça. Mais à part ça, tu peux te présenter un peu plus en profondeur, d'où tu viens, quel âge tu as? Ben, moi, c'est Feno Ambro, j'ai 28 ans. Donc, je suis d'origine togolaise et nigériane. Mmh. Et j'ai grandi en banlieue parisienne, dans le 94, plus précisément à Créteil. Donc, je suis artiste chanteur, on va dire. Mais bien avant ça, j'étais danseur, ouais. J'étais danseur. J'ai commencé par de la danse et tout. Avant de. T'as dansé longtemps ? Franchement. Pas aussi longtemps que, disons professionnellement, ouais. Pas aussi longtemps que dans la musique, voilà. D'accord. Je dansais et tout, mais voilà, j'étais pas, j'avais pas comme objectif de percer de dans faire la danse de la musique. Ah, c'était vraiment ton objectif, c'était la musique du coup? Ouais, par contre, ouais, la musique c'était un de mes objectifs, mais j'aimais bien le foot. Voilà. Ah, okay. Oui, parce que t'as été footballeur. Voilà, j'aimais bien le foot et tout, un peu comme la part des garçons, j'ai envie de dire. Donc j'aimais bien le foot et avec le temps j'ai dû abandonner un peu voilà le foot, tout, parce que voilà j'ai commencé à avoir plus de facilité dans d'autres domaines, voilà, exactement, plus de liens avec la musique et tout. Donc voilà, au fur et à mesure j'ai abandonné tout ce qui est foot, etc. Je me suis plus intéressé à la musique parce que la musique faut du temps, c'est comme le foot, hein. Soit t'accordes du temps à l'un ou l'autre. Donc j'ai accorder plus mon temps à la musique et voilà là où ça m'a emmené, quoi. Et du coup, tu faisais quel style de danse, plus afro? La danse, en vrai, j'ai commencé par du hip-hop un peu. Okay. Voilà, parce que j'étais dans un groupe de hip-hop et tout. Et quand j'ai quitté le groupe, justement, c'est là que j'ai commencé à faire tout ce qui est afro. Mais j'ai toujours dansé de l'afro. Vous savez, l'afro, j'ai envie de dire... En fait, on en danse depuis petit, ouais, en fait. Voilà, c'est dans nos... Exactement. C'est dans nos gènes. C'est ça, c'est dans nos gènes. Un junker, les filles. Voilà. Donc, du coup, par la suite, je me suis plus formé dans l'afro. Okay. Et c'est vrai que je maîtrise... je maîtrise beaucoup plus l'afro que le hip-hop, bien évidemment. Et voilà, quoi. Donc, les jeux de reins, là, tu as maîtrisé ça. Bon, on va dire que... Ouais, tu avais un petit freestyle, là, pour nous. Bon, on va dire que... Tu vas chanter après, quand même. Ok, ouais, pas de soucis. Regarde, danser aussi. Ouais, danser, ouais, aussi, aussi. J'ai raté quelque chose ou pas? Non, il s'est rien passé encore. Comme on dit, les absents ont toujours tort, on ne dira pas ce qui s'est passé. Non, c'est pas grave, il va me dire, de toute façon, sur Insta, parce qu'on se parle maintenant sur Insta, c'est mon meilleur pote. Il y a des choses qui se passent. Lui, il gratte. Ça s'appelle gratter l'amitié, tout simplement, tout simplement. On n'a pas les mêmes valeurs. Voilà. Faut leur dire. Ah, ouais, c'est sûr qu'il n'a pas les mêmes valeurs que toi, en plus. En plus, quand je suis arrivé, il m'a fait une blague à l'entrée. Il a dit quoi? En mode, c'est ton pote. Il m'a dit, oui, bonjour, excusez-moi, c'est vous l'artiste? Moi, je me suis dit, oui, c'est moi et tout. Il me dit, oh, je rigole. Ils étaient soft aujourd'hui. Ah, bien. Donc voilà, voilà. Alors juste avant que tu arrives, Feno, ouais, dis-moi. On parlait des Energy Music Awards. T'as un peu suivi ou pas du tout? Franchement, n'est pas honte, hein. Voilà, j'ai pas suivi. T'as pas suivi? Parce qu'au même moment, j'essaie de trouver des. C'est ça. Pleine partie de FIFA. Voilà. En fait, non, je suis rentré en fait en plein milieu et tout de suite après, je crois, je sais plus ce que je faisais. Je faisais un truc et tout. Je préparais mon plat. Après, je vais sur Twitter en plus et je vois Energy Music et tout. En temps normal, je tu t'es dit c'est quoi mettre et tout, mais bon. Mais là, non, t'es fatigué. Bon, après, j'ai lu quelques petites échos, tu vois, qui a gagné, qui a pas gagné et tout ça. Et voilà. qui a gagné? Bon, après, apparemment. Non, je rigole. Non, après, je sais. Non, je rigole. Tout ce que je sais, c'est que. En gros, j'attendais à ce que certaines artistes gagnent un prix quand même. Mais toujours les mêmes, hein, on est d'accord. Mais je pense qu'ils n'ont rien gagné, donc c'est ce que j'ai vu. Tu penses? Voilà, c'est ce tu que penses j'ai bien, t'inquiète. Tu penses bien. J'aimerais trop être avec lui à l'école. Il allait copier sur moi tous les dons dans les dons. Non, mais. Normalement, c'est. Il
a mis la même chose, non? Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'on est en direct sur Twitch et que vous pouvez retrouver les looks dont on va parler en direct, enfin directement sur notre Twitch. Comme ça, vous ne serez pas largués. Et là, on va commencer avec Clara Morgan. Is she alive? Clara Morgan sur le red carpet des Energy Music Awards 2019 à Cannes. Franchement. Pour une fois qu'elle marche sur quelque chose et qu'on ne la marche pas dessus. On dirait que sa paire, elle n'est pas... Non. Attendez. Éliminée. Attendez. Carton noir. Attendez. Il faut... Il faut accentuer ce que Brice vient de dire. Non, mais c'est vrai. Il a dit... Éliminée. Non, franchement, le gars, il est... Zénab, il vient de dire, chers auditeurs, ceux qui n'ont pas entendu sa petite balagounette... On n'est pas dans Sexocratie. Brice l'a dit. Pour une fois que c'est elle qui marche sur quelque chose, et c'est pas elle qui se fait marcher dessus. Voilà, maintenant, je voulais... Laissez place à votre imagination. De quoi fais-tu référence, mon ami? Bah, à quoi fais-tu référence, toi, mon ami, en disant qu'elle se fait pas marcher carton dessus pour une fois? Parce que c'est une femme forte, c'est une femme, tu vois, c'est une femme qui est forte, tu vois ce que je veux dire. Donc, je veux pas forcément détailler, parce que Clara Morgan, elle a une carrière, tu vois, elle a une grande carrière. Elle a eu des grandes carrières, même, tu vois. Mais je veux pas détailler seulement. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est vrai ou faux, non? Attends, hein, fais d'autres. C'est vrai ou faux? Ah, mon gars, là... C'est comme on dit, c'est pas dans la bouche, tu vas entendre le piment. Ah, tu vas manger ton piment dans ma bouche. Voilà. Donc là, je te laisse dans ta sauce. De ouf. Après, ça dit ouais. Non, mais sérieusement, moi, je l'avais. J'avais pas aimé sa tenue sur la première photo que j'avais sélectionnée, mais là, pour le coup, j'aime bien, bizarrement. Mm-hmm. C'est fleuri, ouais, c'est léger. Ouais, ça lui va bien au faire, en fait. Ouais, ça lui va vraiment bien. J'ai changé volontairement ta photo. Ouais. D'accord. C'est français. Bah franchement, j'aime beaucoup au final. Moi j'aime bien aussi. Tu peux juste me décrire sa tenue, Zénab? Elle a mis une robe longue, manche longue aussi, imprimée, c'est du satin, imprimée fleurie. Et elle a mis des talons... Les chaussures, je suis pas fan. Hein. Ah, je suis pas trop non plus. Ouais. Je suis pas fan non plus. Ouais, j'ai envie de dire la même chose. En plus, elle tient pas bien. Elle de ouf. Elle a l'air d'être en apesanteur, la fille. C'est un peu grand pour elle. Regarde juste derrière. Il y a un peu d'espace. Ouais. Donc, à part ça. Je pense qu'elle a les pieds plats. Puis, tu vois, on dirait qu'il y a un problème de bronzage un peu là. Ouais, c'est ce qu'elle veut dire aussi là. C'est ça. Je pense qu'au niveau des UV, c'est pas le top. Mais ouais, au final, j'aime bien. Son petit un bébé au niveau des genoux, ça, voilà. Exactement, des têtes des bébés. Des têtes des bébés. Au niveau des genoux, c'est bizarre. Ça va, elle a des belles jambes, en général. Elle a des belles jambes, quand même. Bah, elle a intérêt d'avoir un beau corps, hein, parce qu'elle avait une carrière. Oh, on a compris, Brice. Oh, Brice, oh, oh. Non, mais oh. C'est trop, un peu plus abstrait, c'est ça. Ça va, ça va. Bon, ça va. Elle a été dans la pornographie. Ah, je ne sais pas de quoi tu parles. Non, elle a été dans un métier artistique. C'est ce que Brice essaye de faire dire. De dire. De faire dire. Comment tu sais ça, toi? Bah, on Bref, ouais. Comment bref, tu sais? Bref. La semaine dernière, il voulait pas qu'on parle d'Halloween, tout ça. Là, il dit, bon, pornographie, écoutez. Bref. Il commence à croiser les doigts. Il croise les doigts, les chacals. Écoutez, français. Enfin, bref, mis à part son passé... Non, mais au final, j'aime bien l'actrice. Sa télé. Franchement, au final, à part sa chaussure, j'aime beaucoup. Ouais. Donc tu valides finalement. Moi j'aime bien, c'est frais, c'est léger, ça passe partout, ça se mange sans frein. Toi Feno, t'aimes bien? Ouais, franchement. C'est pas ouf, on va dire. Voilà, exactement. En fait, c'est pas ouf non plus, mais ça va quoi. Ça passe. Au moins, je peux pas aller en bas. Je pense aussi que c'est peut-être la photo qui donne pas trop. Tu vois, peut-être en vrai. Ça passait. Elle a une photo. Après, elle bouge, etc. Et comme il y a énormément de flash et tout, on a juste pris la mauvaise pose, tu vois. Mais, mais Clara Morgan, c'est une jolie femme. Mais moi, j'en ai marre parce que dans les red carpet français aussi, les photos, oh là là, elles me fatiguent. Ouais, on dirait qu'il faut exprès de prendre sous un mauvais angle. Ouais. C'est bizarre. Fois, hein. C'est vrai, en plus. Ouais. Franchement, moi, je les soupçonne, les photographes, des les paparazzi. Des fois, en image et tout, ça passe mieux. Mais après, les photos, c'est vrai que... C'est vrai que c'est différent. Ouais. Si t'as pas de chance, c'est qui va circuler. Au moment où tu fermes les gants, c'est dur. Oh, après. Non. On passe à ton deuxième look, Zénab. Ouais, on passe à Slimane et Vita. Slimane et Vita, Kedir. Kedir. L'air est grave, l'air est grave. Non, là, ils m'ont vénère. Moi, ils me saoulent aussi, ces deux-là, je peux plus. Vénère. Non, mais Vita fait un effort. Ils m'ont vénère. Elle a mis une robe pull, c'est ça? Ouais, elle a mis une robe On dirait les tuniques du marché, frère.
avec un colon et c'est des cuissards, on est d'accord? Ouais, c'est des cuissards de noir en daim. En fait, je comprends même pas. Enfin, oui, il fait un peu froid, mais Charmeuse veut faire un effort. En plus, t'es à Cannes, je pense pas qu'il fasse. Sors la robe! Il faut sortir la robe, tu vois. Mais t'as l'impression qu'elle part à faire ses courses, en fait. Ses courses, c'est ça. Mais de ouf! Elle part faire ses courses, enfin, elle a pas fait d'effort. J'avoue, là, c'est chouette. Welcome, ça va pas du tout. Bienvenue en France. Ah, mais je suis désolée, ça va pas du tout. Hein, là. Et Slimane, mon frère. Slimane, il a mal fait. Ah non, lui, il adore. Elle te coignait. Pourquoi tu m'as fait ça? Non, mais il a fait une entorse, il a mis un pantalon noir, mais on dirait à sequins. Ouais. Tu sais, ça, il y a des reflets, des paillettes. Doré, un peu brillant. Donc, il a fait une petite entorse. Après, là, ils se font dans le décor un peu. T'as l'impression qu'il a que des bras et sa tête. Et tu vois, c'est un peu bizarre. Ouais. C'est un peu bizarre, mais franchement. C'est vrai que c'est pas terrible. C'est pas terrible. Franchement, ils n'ont pas fait d'efforts. Ils vont bien ensemble au final. Hein, Sachant qu'elle a des enfants, elle est mariée. Hein. Ouais. Et c'est vrai qu'on les voit un peu trop au même moment, au même endroit. Un peu partout. Ouais. Je trouve que c'est un peu tendancieux. Moi, je ne vais pas dire que, tu vois, je ne connais pas ces personnes, ces personnalités. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils sont régulièrement ensemble, tu vois. Après, je ne pourrais pas te dire que, voilà, mais c'est vrai qu'ils ont fait des sons ensemble, ils sont tout le temps ensemble, ils font un télécrochet en Belgique ensemble, tu vois, tout le temps ensemble. Ouais. Là, ils sont ensemble encore. Mais moi, tu vois, j'aime bien sa veste par contre. Ah, Slimane, ouais, c'est ce que j'allais dire. J'aime énormément son manteau. Il est super. Mais le style de Slimane en général, moi j'aime bien. Il est cool. Il est très passe. C'est cool. Quand tu regardes son Instagram, il est beaucoup dans le dark en fait. Ouais, énormément. Mais ça va, ça lui va bien. C'est ce qu'il fait. Toi, t'en penses quoi, Feno, de son. Ouais, ça va, franchement, c'est pas mal. J'aime bien. Et Vita ? Et Vita, surtout Vita. Vita, c'est vrai que tu vois. Non. C'est simple. Marché le samedi. Là, on est quand même. Ah non, au Energy Music Award, tu vois. Au Red Carpet en plus. Ouais, voilà, tu vois. Et je pense que je sors là tout de suite, je peux voir quelqu'un habillé comme ça. Ah, mais mieux, c'est ça. En mieux. Même en mieux, tu vois. Donc, bon. C'est vrai que, encore, Slimane, ça passe. Sincèrement. Ouais, Slimane, ça passe. Slimane, ça passe, finalement. Donc, tu valides pas du tout. Ça manque de folie, tout ça. Non, tu valides pas. Après, c'est pas guess. Tu sais, quand t'as l'habitude de voir plus. Ouais, c'est ça. Bah, c'est dur de valider quand c'est comme ça. C'est fade, en fait. C'est sans vie. Moi, c'est surtout l'événement, en fait. Éliminé. Carton rouge. Carton rouge. Non, moi, je trouve ça dommage. Ce type d'événement, je trouve ça dommage. Bah, c'est ça. Après, c'est très français. On a trop l'habitude de voir des tenues claquées dans les événements français. Franchement. Elle insiste sur le claqué. Le claqué. On passe au look suivant, Zainab, avec Fatou, qui est comédienne. Ouais. Et Vineuse, elle fait des petits vines sur internet. Vine sur Instagram. Ouais, bon. Je la connais pas, moi. C'est Big Guinée. Vine, ça existe encore? Ouais, bon. Ah, c'est Baby Guinée. Vidéo. Vidéo. Avec Samir. Même pas. Avec Samir. Ouais, avec Samir. Avec Samir. 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 Je dis Samy, je sais pas pourquoi. Je sais pas non plus. Tu peux me décrire sa tenue, Zainab, s'il te plaît ? Une robe avec des froufrous au niveau des manches. Et à plumes, plutôt. À plumes, c'est ça ? Ouais. Au niveau des manches et, et du bas. Cuisse, ouais. Cuisse. Et c'est une robe qui s'arrête au niveau des genoux. Et c'est un peu en dentelle, je crois. C'est en dentelle, on est d'accord ? Dentelle. Ouais, dentelle. C'est de la broderie. Broderie et de la dentelle sur les épaules, en fait. Et... franchement, je trouve que ça lui va pas, la robe. Ça la tasse un peu. Enfin, après, s'il n'y avait pas les plumes au niveau du bas de la robe, ça passerait. Mais là, ça fait un peu trop... C'est vrai que pour sa taille, ça fait boule de Raffaello. Ouais. Oui, ça fait comestible, c'est vrai. T'as envie de la bouffer. C'est des gamins. c'est pas faux. Après, sa coiffure aussi, c'est dommage, parce que son front... Non, moi j'aime bien sa coiffure. Moi j'aime bien, j'aime le haut. Moi je suis pas d'accord. J'aime bien j'aurais pas plaqué comme ça sur le haut. Tu vois, j'aurais ramené un peu plus de mouvement, je sais pas. C'est très casque. Ah. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu vois ou pas? En fait, j'allais dire que ça va, j'aime bien, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais après, ça, je pense que ça lui va bien. Ça lui va bien. Je pense qu'elle, ouais. Non, ça lui va bien, franchement. En plus, pour une Guinéenne, elle est bien. Pour une Guinéenne! Je vais te. Si on peut plus rigoler, mon gars! Franchement, Gadji, c'est bon, je rigole, gros. Ah, ça va, c'est une blagounette, toi, commence pas à stigmatiser les communautés, s'il te plaît. Mais Bruce, il aime trop ça. J'y rigole. Eh, hey, faut rigoler. Attendez, il y a des amis qui m'ont appelé, attendez. Toi, t'as. Ah, lui, faut le laisser où il est, s'il te plaît. Donc, toi, Zainab, t'aimes pas du tout.
enfin pas du tout, du t'aimes tout, pas enfin, j'aime pas ça va. Non, je trouve la tenue elle est belle mais ça ne lui va pas. Ouais. Désolée, oui, ça la tasse. Ouais, ouais, ça la tasse. Et comme elle, en plus, elle. Elle aurait pu faire mieux. Je crois de naturel, elle a des hanches de ouf. Ouais. Ah ouais. Du coup, ça accentue vachement le volume en bas. Ouais. Bah après, moi, je vois pas en quoi c'est dérangeant d'accentuer les hanches. Moi, ça me dérange pas. Hein. Bah, par rapport au haut, ça fait trop après. Ça me dérange pas. Moi, c'est une femme africaine, ça me dérange pas du tout, chacal. Toi, Feno, ça. Totalement correct. Toi, ça te dérange pas. Et après, moi. Qu'est-ce que t'aimes? L'idée, j'aime bien. C'est-à-dire, ouais, l'idée, elle est bien. Déjà, c'est vrai. Elle se démarque. Ça fait red carpet. Oui, voilà, ça fait carré de fou, ça. Voilà. On est d'accord. Voilà. Pour une fois. Déjà. Maintenant, c'est vrai que, bon, après, c'est question de goût, mais je pense que, bon, je suis pas trop fan, mais franchement, déjà, dans l'idée, elle sait déjà que là où elle est, c'est. Ouais, tu vois, pour c'est, le coup, ouais. Que c'est sérieux. Que ouais. C'est du sérieux. Voilà. C'est du sérieux, tu vois. Là, tu descends pas chez le Pondou, le Pondou en bas là, tu vois, là t'es, tu vois, voilà, donc bon, rien que pour l'idée, tu vois, on va dire que je valide à moitié quand même, tu vois. Ensuite, qu'est-ce que tu valides pas que à 50%, ouais, à 50%. Ce que je valide pas, bon, après, c'est vrai que la coupe, bon. Ah, voilà. On est d'accord, ouais. Ça fait casque. Ouais, tu vois, c'est... C'est pas... Je sais pas, moi je suis fan que tu sais quand c'est. Comment dire? Quand c'est parfait, tu vois. Ouais. C'est lisse. Là même, tu vois, pour moi c'est pas très. Ouais, c'est pas très slick. Voilà, tu vois. Donc j'ai l'impression que tu vois, il s'est fait un peu bousculer. T'es compliqué, hein. Je pense, ouais. Je pense que si sa perruque était. C'était des cheveux longs, je pense que ça. Ça se trouve, c'est vrai cheveux, qu'est-ce qui te fait croire que c'est une perruque? Ah ouais. Parce que je le sais, je la connais. Non, mais c'est un tissage. C'est ma poteau. Ah ouais. Mais dans l'ensemble, ça va, tu vois, franchement. En plus, c'est une très jolie fille, donc... Ouais, très belle, mais... Comme toutes les Guinéennes, quoi. Ouais, ouais, vrai, on peut dire ça, ouais. Sauf Zénab. Les Guinéennes sont réputées... Sauf Zénab. Ouais. Voilà. Pour être une des plus belles en Afrique, c'est vrai, tu vois. Ouais. Voilà. Sauf Zénab. Ah bon? Ouais. Non, Zénab, elle est pas belle, elle est extraordinaire. Oh my God! Oh my God! Yeah, yeah, you know, bro! Yeah, man! Yeah, man! On comprend rien à ce que vous dites. Revenez en France, revenez sur Terre, s'il vous plaît. Elle m'a arraché un bout de peau avec ses ongles. Je le cite. Voilà. Enfin bref. Donc toi, Anouar, tu valides? Ouais, ça va. Ouais. Ça va. Moi, toi, Brice, tu valides? Ouais, je valide. Franchement, je suis cordé avec sa tenue. Toi, Feno, tu valides? Oui, je valide. Alors, il largement prend prendre la place de Vita. Et toi, Zénab, donc tu valides pas? Enfin, je valide pas trop. Pas trop. Ouais. On marque une petite pause et on revient pour ton dernier look. On va mettre Heartbreak de Kaza et n'oubliez pas, restez connectés. Feno, juste après, va nous chanter un de ses titres. Ah ouais, la force, elle a dit que tu vas chanter. Tu vas chanter. Tu vas chanter. Tu vas chanter. Il a rien dit encore, il est pas d'accord.
marqué le coup, quoi. Mais non, mais clairement. Non, mais après, attends, on aime Bilal ou on n'aime pas, tu vois. Non, mais la question, c'est quand est-ce qu'il n'ose pas. Voilà. Ouais. Ouais. Maintenant, La seule chose que je peux prendre ici, c'est que ses chaussures et sa perruque. Mais la robe, elle est belle, hein, franchement. Non, c'est trop. Moi, la robe, j'aime bien la robe. Elle est vraiment belle, la robe. Sur quelqu'un d'autre que lui. Exactement, merci. Là, en fait, c'est Bilal, toujours... c'est Bilal qui l'a porté. Ouais, c'est toujours bizarre sur lui. En fait, les trucs de meuf sur lui, c'est bizarre. Attends, tu la verrais sur qui en fait? Zendaya, mon gars. Elle la porte, elle est d'être ça. Elle la porte. Juste ça, elle est déjà ça. Zendaya, c'est la femme idéale, tu vois. Voilà. C'est bon, on a déjà compris. Oui, c'est bon, c'est bon. Ok, je suis cardiaque. C'est bon, c'est bon. Nadia, je suis cardiaque, s'il te plaît. C'est bon, merci. Non, je valide pas. T'aimes pas. J'aime pas du tout, j'aime que les choses. Bah, en fait, c'est sa personnalité après, donc on peut pas dire qu'on aime. Enfin, j'ai le droit de dire que je n'aime pas mon frère. Oui, moi aussi, j'aime pas. Hein. Mais s'il était venu en costard, ça serait bizarre, tu vois. Non, mais là, ouais, c'est clair. Non, c'est clair. Est-ce que ça serait pas Bilal, tu vois? Ouais, c'est chelou. Là... Tu vois, tu viens de souligner un truc important. Il serait venu en costume. S'il serait venu en costume, ce serait lourd. Ouais. Parce qu'il n'a pas l'habitude de le faire, tu vois. Voilà. C'est là que les gens, ils devraient dire, ah ouais, ça, c'est lourd. Chacal, là, tu tues le game. Tu vois ce que je veux dire? Et Nico, tu leur as dit, Chacal, tu déchires. Chacal, là, c'est non, mais là, lourd, il lui a quand même dit, tu déchires même en robe. Hein, ouais, pas. Mais il a l'habitude de faire ouais, ça. Ouais, à chaque fois, pas de prise de risque, tu vois. Ouais, c'est ça. On connaît, on sait qu'il va être fou, tu vois. Prends le risque, frère. Tu vois, on a des. Tu vois, en plus, on en disait tout à l'heure, les Energy Music Awards, il faut le dépoussiérer. Donc, si tu prends un risque, des gens, ils vont se dire, ouais, c'est original, tu vois. On a, bon, Vita, elle s'est habillée comme si elle allait voir sa grand-mère, mais c'est pas grave, tu vois. Mais lui, voilà, tu vois, il a l'habitude d'être surprenant, mais je pense qu'il aurait pu être plus surprenant s'il était venu justement en costume. Parce que c'est vrai que même à l'Eurovision, il avait mis une robe, tu vois. Même à l'Eurovision, il avait mis une énorme robe blanche là. Et vu qu'il se définit pas entre homme ou femme, bah il aurait pu mettre un costume. Ouais. Toi, Fénon, qu'est-ce que t'en penses? Franchement. De Bilal Hassani, de sa tenue, même du personnage en fait, finalement. Ouais, toi, j'aimerais bien. De tout. Après, bon. T'écoutes Bilal Hassani un peu? Enfin, j'écoute pas. Tu l'entends. Voilà, on va dire. Tu vois. Et là, tu l'as dans des problèmes. Je l'ai mis dans des problèmes. Non, après, c'est la question à mille d'euros. Non, je vais dire ce que je pense. Tu vois. Je vais dire ce que je pense. Mais t'as le droit après, de dire. Vas-y, dis ce que tu penses. L'artiste. Tu veux, j'enlève ta veste ou c'est comment? C'est bon. Dans le. Comment on peut dire ça? C'est-à-dire. Artistiquement parlant. Ouais. Artistiquement déjà, je pense que ça va. C'est quelqu'un, pas mal, bien sûr, bien sûr. Franchement, il a son truc et tout. Dans la personnalité aussi, j'aime bien. Pourquoi? Parce que, franchement. J'ai vu à quel point sur internet c'est il y a du monde qui tu vois qui est un peu contre qu'il termine et tout, mais le gars a une détermination, tu vois, franchement faut l'avoir, c'est-à-dire je sais pas si moi à la place si des gens enfin sur internet à chaque fois que je me connecte j'ai des messages un peu négatifs et tout, ce genre de choses, je sais pas comment je serais, moi j'ai vu que le gars franchement il tient, il fait son truc et tout, rien que pour ça tu vois j'aime bien. Après on aime ou on n'aime pas. Tu vois, moi, j'essaie même pas de... En fait, tu essaies même pas d'aimer ou de ne pas aimer, finalement. Exactement. Genre, il existe et puis voilà, il fait ça. Voilà. Maintenant, si on me dit, par exemple, est-ce que tu aimes sa musique, si j'aime pas, tu vois. Ou si j'aime bien telle musique, bah, j'aime bien. Par exemple, quand il avait fait le remix de Ayash, c'est ça? Ouais, c'est oui, ça. Il avait fait. J'aimais pas, tu vois. Pourtant, il avait fait des sons après que... Avec Al Capote, très original. Pas mal, tu vois, voilà, pas mal, tu vois. Il est pas mal, exactement, tu vois. Et là, par exemple... J'aime bien, tu vois. Franchement, j'aime bien. Tu vois, c'est osé, c'est... On voit qu'il s'en tape. On voit qu'il s'en tape des regards. C'est pas mal. Là, par exemple, tu vois... Il reste fidèle à lui-même. T'arrives sur le red carpet et tout. Franchement, dès que t'arrives là, c'est sûr que les gens te voient. Voilà, exactement. Et là, il a joué le jeu. C'est ça. Contrairement aux autres femmes. Ouais, il y a eu des femmes, elles ont pas osé des trucs comme lui, tu vois. Non, pas du tout. Mais des grosses robes comme ça, c'est ça qu'il faut mettre pendant les gros événements comme ça. Ouais. Là, il a osé, hein, franchement, alors là... Et Aya Nakamura avec ça, vous pensez ça peut le faire? Non. Okay. Tu verras sa tenue un peu plus tard. Et toi, bah, on parlait d'artistique, etc. Enfin, c'est quoi tes inspirations artistiques au niveau musical, au niveau vestimentaire aussi? Bah, moi, niveau vestimentaire, c'est ça dépend. C'est, je suis vraiment... T'es hybride. Tu peux ne pas avoir d'inspiration. Hein, ouais. Je suis hybride, en fait. C'est-à-dire, il y a du moi-même, déjà, avec mes influences. Enfin, influences, je dirais qui... En Afrique ou plus... J'aime bien, par exemple, Kanye West. Ouais. Tu vois. En fait, j'aime plus le côté... Bah, ouais, c'est vrai qu'il est bizarre, des fois, tu vois. Mais j'aime plus le côté foufou, tu vois. Parce que moi-même, des fois, tu vois, j'ose un peu, tu vois.
Donc, on va dire Kanye West en premier. Après, c'est du phéno, quoi, tu vois. Enfin, c'est vraiment du phéno. J'aime bien. J'aime bien des touches africaines vraiment... aussi. Exactement. Faut vraiment voilà. connaître, tu vois. C'est-à-dire, jusqu'aux cheveux, hein. Ouais. Voilà. Faut le voir. Que quand je vais faire. quand je vais montrer un petit côté phéno, c'est sûr que c'est un truc que voilà, vous n'avez pas l'habitude de voir, etc. Tu vois. J'ai ma manière de le faire aussi. Comme tes petits choris dans voilà. les cheveux. Par exemple, tu vois. Par exemple, ou des fois, j'ai des petits chapeaux un peu style afro ouais. que je mets. Des fois même, je le mets sur du streetwear et tout, tu vois. Voilà, j'ai un petit mélange à moi aussi que je fais. Et, voilà, ça plaît aux fans et tout. Et, ton style musical, c'est de l'afro. Mais finalement, je pense que tu n'es pas influencé que par l'afro. Tu prends tes idées un peu partout. Tu es ouvert. Ouais, après, c'est vrai que ce que je maîtrise et ce que je fais, c'est l'afrobeat, tu vois. Mmh. Un mélange un peu de musique nigériane et française, on va dire. Ouais, afro-trap française. Voilà, tu vois. Donc, en fait, c'est vraiment un mélange. C'est un peu comme si tu prenais du dadju et tu prenais un whisky. Mmh. Mmh. Ah oui, tu fais un mélange. Ce que ça va donner, tu vois. Et moi, c'est ce mélange-là que j'ai, tu vois. Donc, voilà, mon style de musique, après, c'est de l'afrobeat. Maintenant, je vis en France, je parle français et tout, donc moi, je le fais en français. C'est vrai que c'est avant... J'étais plus en anglais. Mmh. Voilà, c'était vraiment typique musique Naija. Très Naija, très Ghana, tout ça. Exactement. Mmh. Voilà, mais avec le temps, voilà, en même temps, je vais en France. Mmh. Le plus grand public est en France. Donc voilà, il y a ce. C'est juste, il y a ce petit mélange-là, tu vois. C'est afrobeat, mais français. Francophone. Francophone, tu vois. Donc c'est un peu. Oui, vas-y. Concernant ta musique, moi, j'écoute un petit peu. Après, bon, je t'ai connu là, il y a une semaine. Mmh. Toi, voilà, tu m'entends. J'écoute un petit peu ce que tu fais. Je trouve ça un petit peu sympa. Mais c'est vrai que j'aimerais avoir un peu plus d'infos sur la manière d'avoir choisi ce style en particulier. Et pourquoi pas le que du dadju ou du biscuit, comme tu dis. Bon, après, tu vois, moi, de base, en fait, si je vais encore plus loin. Quand j'étais plus jeune, en fait, j'écoutais beaucoup de musique nigérienne. Enfin, en même temps, je suis nigérien, tu vois. Mmh. Mon père est nigérien. Donc, on écoutait beaucoup de musique traditionnelle nigérienne. En fait, moi, je suis yoruba. C'est-à-dire que c'est mon ethnie, tu vois, parce qu'il y a plein d'ethnies. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ibo, un peu comme partout yoruba, en Afrique, quoi, en fait. Mmh. Voilà. Ibo, tout ça. Moi, je suis yoruba, un peu comme les Davido, Whiskey, tout, c'est les mêmes ethnies. Et en fait, il y a un style de musique chez nous qui s'appelle le Fuji. C'est un peu comme... ce que font les... tu sais, au Mali, par exemple, les griots. Mm-hmm. Tu sais, quand tu chantes le nom de quelqu'un, etc. Ah, oui, oui. Voilà. Ok, je vois très donc, bien. Le Fuji chez les Yoruba, j'écoutais beaucoup. Parce que bah, forcément, il y avait que ça. À l'époque, il n'y avait pas encore l'afrobeat, proprement dit, tu vois. Donc, j'écoutais beaucoup ça. Et avec le temps, même quand il y a eu les Peace Square, Davido, Wizkid, etc., j'ai senti que même eux se sont inspirés de ça, en fait. Voilà, après moi je le remarque parce que je connais le Fuji. Oui, donc, parce que moi personnellement je n'ai pas remarqué, j'ai voilà, juste toi, aimé. Dire, ouais, voilà, c'est trop bien. Musique. Ouais, c'est trop voilà. bien. C'est tout. Et moi je sais que voilà, c'est inspiré vraiment du Fuji en fait. Mm-hmm. Donc après il y a des influences comme Fela Kuti, etc. Fela Kuti qui est le père de l'afrobeat. Voilà, tu vois, c'est ça. C'est qui a influencé Bourna. Exactement, tu vois. Donc moi c'est tout est parti de là. Et en fait c'est un mélange de tout ça qui fait qu'aujourd'hui. Mon côté francophone, parce que je suis d'origine togolaise aussi, bah, je suis français aussi. T'es de Lomé ? Voilà, je suis de Lomé. Ah, voilà. Big up à mes amis togolais. Ouais, donc voilà. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai vraiment les deux cultures. C'est-à-dire, il y en a par exemple, ils vont dire qu'ils sont togolais et nigériens, mais. Et t'as même triple culture. Voilà. Parce qu'au final, t'as dit que t'es en France et t'es en Afrique. Exactement. Donc au final, t'arrives à allier les deux et faire bouger les deux. Voilà. C'est donc c'est un peu comme je parle Mina du Togo. Je parle yoruba du Nigeria et bah, je parle français. Et tu parles anglais. Exactement. Shanika, si je suis avec un English boy, Feno, Hambro, pas la marque de chaussures, Hambro, my man here. You know what I mean, yo? Ok. Donc voilà quoi. Donc après, j'essaie de me servir de tout ça parce que forcément pour faire, pour amener un truc nouveau, pour justement me démarquer un peu. Ouais. Faut justement que je me sers de tout ça, et ce qui fait que j'essaie de prendre un peu les tonalités nigérianes
mais je chante en français. C'est ouais, un peu ouais. comme tu prends, c'est un peu comme quand tu prends l'exemple de Sidi Kidiabaté. Ouais. C'est-à-dire que des fois, il chante en français, ouais. mais avec les tonalités avec mandins. C'est ça. Oui, oui, c'est oui. ça. La rythmique ouais. est ouais. traditionnelle. Hein, un peu aussi, sa voix un peu de griot aussi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Exactement, c'est la même chose que je fais, mais avec les tonalités un peu nigérianes. Ouais. C'est un peu comme les gens, des fois, quand ils écoutent mes sons en français, ils disent, oh, on dirait des sons nigériens un peu, là. On dirait, voilà. Mm-hmm. voilà, c'est ce que c'est je veux, en fait. Voilà. Donc, c'est cool. Bah, à partir du moment où tu as ce genre de retour, bah, c'est que tu as réussi ce que tu voulais. Hein. Exactement, on va dire ça. Ah, c'est top. Franchement, c'est top. Et pour avoir un peu dansé, parce que je me suis mis à danser genre il y a un mois ou deux. Et franchement. fatigue. Hein. C'est plutôt pas mal. Je me déhanche plutôt bien. Un mois, lui. Ouais. Non, lui, c'est un mois ou une semaine, pas plus, lui. Ah non, non, je me déhanche plutôt bien. Je déhanche mon popotin, tout ça. À la maison. T'aimes bien bouger ton popotin. Hein. Avant de sortir le sien, je dis Jacqueline, viens, on va se déhancher un petit peu sur du phéno et tout. Elle, elle aime beaucoup ça. Franchement, ça lui plaît beaucoup. Ah bah, merci alors. Alors, phéno, t'es pas contre nous chanter une petite chanson? Ouais, pourquoi pas, il n'y a pas de soucis. T'aurais dû dire non, frère. Saka, t'aurais dû dire non. Il n'aurait pas pu dire ça non, en fait. Ça aurait planté l'émission. Elle aurait dit, alors. Mon bébé, ça te va? Ouais, c'est bon. Donc, je te mets... Elle t'a appelé mon bébé, t'as rien dit. Ouais. Ah, si, il a dit ouais. Tu connais ça, quand même. Il a dit ouais. Bah, il a dit ouais, donc ça marche. N'importe quoi. Toi, tu vas avoir des problèmes ce soir. Bah, on va te préparer le micro de chant si monsieur Brice Michael le veut bien. Ah, Michael. C'est juste pour que tu le fasses plus vite en fait. Donc, ça va se passer là. Quoi, ouais. C'est ça, exactement. On a tout ce qu'il faut. Ah, on a le matos. C'est équipé. Hein. Voilà, on est équipé. Je te lance le micro. Tu peux, ouais, tu peux faire tes petits vocalismes avant. Je te lance la musique. Tu l'entendras dans... Quand même, on voit ce qu'on peut nous retrouver. Alors, Phéno, dans quelques instants, en direct, sur Twitch. Sur Twitch. J'ai pas dit Twitch. Il nous interprétera son titre, Mon bébé. C'est tout de suite. Fenna Umbro. No beef for mouth. Ah eh, ah eh, ah eh. Quand je te sens pas auprès de moi, je suis cadavre. Quand je sens pas tes mains sur moi, je suis cadavre. Partout où tu veux, toi et mon ira. Laisse les jaloux qui vivra verra. Ah, c'est toi mon bébé, et mon bébé, et mon bébé, c'est toi mon bébé. Ah, c'est toi mon bébé, et mon bébé, et mon bébé, yeah. C'est toi mon bébé, aïe. Déjà bloqué, je sais que t'es à moi. Elles peuvent tout faire, mais c'est déjà perdu. Tu le sais, je suis à moi. Je peux t'aider pour toi, bébé. Tu es mon oxygène, baby. Sans toi, je n'ai plus de vie, baby. J'suis prêt à tout pour toi, baby. S'ils sont contre toi aujourd'hui, ils seront contre moi pour la vie. Toi et moi pour le pire et le jamais. Vas-y, viens, baby, qu'on danse. Yeah. Toi et moi, chérie. Vas-y, viens, qu'on danse. Nobi Joko. Toi et moi, chérie. Allez, viens, qu'on s'enjaille. Nobi Joko. Car ce soir c'est le fuego, Nobi Joko. Ramène tous tes copines, rencontre mes frères. Nobi Joko. Souba. Nobi Joko, lelelelele. Nobi Joko. Nobi Joko, Souba. Ah, c'est toi mon bébé. Eh mon bébé. Eh mon bébé. C'est toi mon bébé. Ah, c'est toi mon bébé. Eh mon bébé. Yeah. Eh mon bébé, yeah, c'est toi mon bébé. Oh allô, je t'emmènerai à Lomé. Te faire manger à Koumé. C'est sûr que tu vas kiffer, baby, yeah. Oui allô, pour toi j'ai chanté, chérie Coco. Veux-tu bien devenir Madame Phéno? Vas-y viens qu'on danse, Nobi Joko. Cadavre, eh, yeah, eh, eh. Ah, chérie je suis cadavre, eh, eh. Tu me rends cadavre. Oh oh oh. Hey, hey, hey. Chérie, je suis cadavre. Hey, hey. Tu me rends cadavre. Yeah. Nobi Joko, lelelelele, Nobi Joko. Nobi Joko, Nobi Joko.
nobi joko le nobi joko. Nobi joko nobi joko. Ah c'est toi mon bébé. Eh mon bébé. Eh mon bébé. C'est toi mon bébé. Ah c'est toi mon bébé. Eh mon bébé. Eh mon bébé. Yeah, c'est toi mon bébé. Aïe. Ah eh 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 eh. On est en direct sur R&I. Dan dan dan. Ah eh 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 eh. En direct Fena Ambro sur IRM.radio. On est ensemble. J'ai kiffé. Il a dead ça, man. Il a tué ça. Oh my god. Merci Feno, merci, 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 merci. Bravo. T'as dead ça. Franchement, t'as dead ça. C'était ça ambiance. Il a de la voix, hein. Mais hey. Bah attends, il est pas chanteur pour rien, ça veut dire quoi ça? Non mais c'est ce que je connaissais pas, je découvre l'artiste et très content. Je peux dire juste quelque chose, enfin c'était vite fait. Je peux faire mieux, largement mieux. Mais largement. Ok, t'inquiète, la prochaine fois. Voilà, on t'a vu, hein, tes petites déhanchées là. Non, écoutez, j'ai appris à danser il y a 2 semaines. Je suis allé dans une école de danse qui m'ont montré quelques petits mouvements de hanche un peu exotiques. Et du coup, j'ai essayé de l'appliquer là aujourd'hui. Je sais pas. Voilà. Et du coup, ce son, c'est un son qui fait partie d'un album ou c'est une sorte de single? Non, c'est un single, c'est mon tout dernier là que j'ai sorti. Franchement, ça va, il marche bien, tu vois, il tourne bien et tout. Je vois, il y a des petits TikTok, etc., qui se font sur tes sons, des vidéos. Franchement, et c'est vrai que. Moi, c'est plus ça, en fait, vu que voilà, j'ai mon côté danse et tout, ça fait que les gens, dès que je fais des sons... Même c'est quand, pour qu'ils dansent, pas, ouais. Même ouais. quand c'est pas dansant, les gens, ils veulent absolument faire trop. Des vidéos dessus et tout. J'aime trop. Moi, je kiffe de fou. Ça te réveille le matin. Je sais pas danser. Ton patron, il te vire. Je suis cadavéré. Je vais virer. Je suis cadavéré. Et tu danses, c'est pas grave. Tu ne payes plus. Je suis cadavéré. Donc voilà, quoi. Donc là, on a tourné en plus le clip. Donc il sort en plus. Ah ouais, je l'ai même pas annoncé moi-même encore. Ok, attends. Sortez les snaps, Instagram, tout Instagram, ça. Instagram, attends. Attends, mon téléphone il est un peu lent, c'est un Wiko. Je vais l'annoncer ici en direct. Attends, exclu. Faut attendre. Attends, ils ont des Wiko, des téléphones à clapper doucement. On va allumer les snaps, les Instagram, tout. Alors, ça, tout qu'est-ce ça. Qu'est-ce que tu disais, Feno? Donc je disais. Que voilà, je ne l'avais pas encore annoncé sur mes réseaux à moi-même, mais je vais l'annoncer là que le clip officiel de mon son, mon bébé, sortira officiellement le 22 novembre. Yeah! YouTube! En exclu sur IRM. Voilà. On a hâte de voir ça en tout et cas. Je crois qu'on est même les premiers à avoir le live ou pas? Ah ouais, j'avoue. Et on est les premiers. Non, on n'est pas les premiers, Je t'ai vu à Miss Togo, tu l'as fait. Non, sur scène. Radio. La première radio, ouais. Voilà. Le premier média, c'est nous. Voilà. Les premiers sur l'exclu. Ouais. Bad look, premier sur l'exclu. Premier sur la SAP. C'est bon, premier sur. Toi, non? Ouais. Donc voilà. Donc le 22 novembre prochain, il sort sur YouTube, sur toutes les plateformes. Déjà, le titre, il est déjà sur toutes les plateformes. Là. Mon Donc, bébé. Voilà, mon bébé. Vous tapez mon bébé et voilà. Mm-hmm. Donc le clip, il sortira le 22. Franchement, on a tourné un clip. J'ai vu là des choses sur ton Instagram perso. J'ai vu dans le métro des trucs comme ça, des danseuses incroyables en plus. Ouais. Oh mon dieu! Franchement, on a tourné carrément ça sur. Ça m'a transcendé. On a carrément tourné en 3 fois. C'est-à-dire, on a eu 3 tournages. En fait, ça s'est étendu un peu sur 2 ou 3 semaines. Ah ouais, quand même! Ouais, voilà. On a t'as intérêt à nous sortir du lourd là. C'est franchement, moi-même, je confirme que c'est très 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 lourd. Voilà, Purple Street, on est ensemble, donc voilà. Mais après, il n'y a aucune raison que ce soit pas lourd, franchement, sur scène, en tout cas, t'es une boule d'énergie, et je te félicite pour ça. Vu, ouais, j'étais. Pourquoi pas l'Energy Music Awards? Tu m'as vu où? Elle t'a guetté. À Miss Togo. Ah, Miss Togo, ah d'accord. Elle te dit pas tout, en fait, parce que cette femme que tu vois là, ici présente, tu peux la présenter. Et première deuxième dauphine de Miss Burkina Faso. Miss Burkina Faso. Ah ouais? Notre marque n'est pas rien. C'est pas n'importe qui. Enfin bref. C'est l'enfant de quelqu'un. Quelle année? C'est l'enfant de 2018. Donc cette femme-là. Donc tu vois le coin là où il y avait toutes les Miss qui se trébouillaient.
musée. Moi aussi, j'étais là-bas. Ah, ah super. Ça veut dire que. Bon. Côté, ouais. Pourquoi enfin, pas la musique je vais t'appeler alors. Ça ah, voilà. Ah ouais, moi, je suis là, j'ai tapé les derniers déhanchés. Il m'a même pas calculé. Ah, t'as vu comment ils sont, les gens? Ah, t'es là, tu te tissues tous les mailles. Tu voulais te faire remarquer, mais non. C'est comme ça, Chacal. Arrête tout ce qu'on s'est dit sur Insta, tous les bites. Tu fais des bites comme ça. Non, calme-nous ensemble, t'inquiète. Ah, gros. Alors, on revient au Energy Music Awards. Et on continue avec toi, Noir. Mm-hmm. Avec les looks qui t'ont choqué. Moi, quand j'ai vu ces looks, j'ai pleuré. Alors, là, c'est le look de Christophe Maé et de sa compagne, comment elle s'appelle? Nadège Sarron. Nadège Sarron, ok. C'est grave. Moi, je tiens à lancer un appel officiel à la France. Quand il y a des gens comme ça, là, qui arrivent dans des événements aussi réputés, à côté, t'as les Jonas Brosé. Jonas Brosé, il a dit. Et lui, il sort, là. Il faut mettre un videur devant. Hein. Ah, mais clairement. Moi, je le laisse pas rentrer. Hein. Non, Christophe Maé. Il n'a pas respecté l'événement, franchement, là. Franchement, qu'on s'attache ou qu'on s'empoisonne, là, il nous a empoisonné. Clairement. C'est chaud là. Franchement. Attends, non, mais déjà avant ça, avant toute chose, faut que tu me décrives ce que tu vois. Alors, ce qui t'a choqué surtout. Christophe Maé qui sort de nulle part, pour être clair. Je sais pas d'où il revient, bref. Il est. Je savais pas que. Non, mais artistiquement, on n'entend plus parler de ce mec. Non, non, il a. Mais il moi, a franchement, il m'a marqué. Hein. Bah, je sais pas si vous, mais moi, il m'a marqué. Il m'a marqué en plein cœur là. Non. Bah, il t'a lancé sa flèche, quoi. Ah, il m'a lancé sa flèche, tout. Bref, il est arrivé avec un genre de baggy, pas fini, je sais pas quoi. Il y a un genre. C'est un baggy, frère. C'est ni un pantalon, ni un régular. C'est même pas une commence. Ni un baggy, ni un. Moi, je suis fatigué. Il a mis une chemise qui arrive, qui est très longue, blanche. Un kimono. Et, non, mais chemise blanche, très longue. Et par-dessus, un genre de kimono, genre. Tu sais, un peu. Comment on appelle les patchwork, voilà. Un peu patchwork son look, tu vois. Parce qu'il y a plusieurs tissus, plusieurs motifs. Avec des converses. Parce que c'est des converses. Pas de ça se trouve, c'est même pas des converses. Ça se trouve, c'est des trucs que tu achètes à. Rien ne va. Non, mais franchement, ouais. Attends, mais franchement. Bon, après, sa compagne, ça va. Elle casse pas des briques, mais ça va. Ouais. Elle est là. Tu elle a une petite robe noire. Parce que lui, il a fait. Il... On me dit qu'on dirait que Christophe Maé est difforme. La longueur de son buste et la longueur de ses jambes de ne ouf. Correspondent pas. On dirait sa taille, elle est au niveau de ses genoux. À cause de sa chemise. Non, mais en fait, c'est un fou de A à Z. C'est un carnage. C'est un carnage. Carton noir, là. Là. Clairement. Je crois que tu... Attendez, je crois qu'il était pas au courant, tu vois. Il y avait l'événement, je crois. Attendez, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut dire un truc à monsieur. Trop, Christophe Maé C'est trop. On peut pas accepter ça. Ah non. Franchement, on a beau clasher Bilal Hassani, mais il a dead ça pour moi à côté de lui. Ah bah clairement. Là, non, mais. C'est. Christophe Maé, wesh. J'ai envie de te poser une question à Noir. Dis-moi. T'en penses quoi des gens qui mettent des converses sur les red carpets? C'est grave. Non, mais là, c'est... Pour porter des converses, il faut vraiment qu'elles soient originales, que ce soit des éditions limitées, machin, tout ce que tu veux. Mais des trucs comme ça. En plus, c'est grise. On dirait les converses de 2008. Délavées en plus. C'est les premières. Déjà, c'est assez... Je te jure, je portais les mêmes quand j'allais au collège. C'est grave, hein. Toi, Féno, non, plus t'en des feuillous. Je vois que tu pleures un peu, ouais, t'as les larmes. Franchement, je m'y attendais pas. Même si on dit que. Ouais, attends, il y a une phrase là qui dit ouais, quand ta femme elle brille, c'est. Je sais pas quoi, là. Bon, bref. Laisse-la briller, genre. Ouais, en gros c'est, ouais, ça te met en valeur. Ouais, et tout. Ouais. Mais là, c'est chaud, franchement. Ah, non, là, c'est chaud. Franchement, j'essaye de voir ce qu'il y a de bien. Tu vois, il est même pas coiffé. Tu vois, il a pas coupé, il a pas fait les contours. Mais grave, même la barbe est pas. On dirait qu'il dormait pour la réveiller. On a dit Christophe. Il s'est réveillé, boum, il a tout mis. Oh non. Vous savez, c'est quoi le pire? Il a pris le kimono de sa femme et puis il l'a. Vous savez, c'est quoi le pire? C'est que les pièces qu'il porte, elles sont pas données. Ouais. Ouais. C'est ça le pire. Ouais. Comme quoi. Ça, même à qui habille, je te jure, je m'habille mieux. Mais grave, c'est un coup là. Là, tu demandes peut-être ce qu'il a mis là, peut-être. Je sais pas moi. À part les Converse, on sait que ça coûte 80 euros. Ouais, voilà. Son jean patchwork, je pense qu'il doit coûter une petite fortune quand même. Ouais. Et même son kimono, quand tu regardes, c'est pas une vieille matière, c'est une bonne matière. Mm.
Et ouais, non, mais franchement, il a floppé. Trop d'excuses, quoi. Les gars. Oh, ne cherchez pas d'excuses, le gars. Franchement, il faut pas aller chercher d'excuses. Franchement, hey, faut éliminer. Non, là, c'est vraiment là, je suis cadavéré à mort. Là, faut sortir les cartons. Hein. Là, c'est même. Zénab, tu as la valise ou pas? Là, je lui mets tous les cartons. Tu, non, tu lui mets quoi, le noir? Le noir, là, il a pas respecté l'événement. Ouais, je suis désolé. Non, c'est pas possible. C'est pas possible de venir comme ça. On peut pas accepter ça. Surtout qu'il a chanté. Il a chanté comme ça, là. Ah, elle, devait être, elle devait être au fond du trou, la meuf qui la styliste là, dans tu sais dans quoi il a chanté? Par contre, là, je me suis dit, est-ce que les organisateurs de l'événement, ils se sont dit, on va pas le laisser rentrer? Ils l'ont laissé, ils l'ont fait chanter dehors. Ah, mais ils ont bien fait. Ah, non, vraiment. Moi, c'était si tu rentres dedans, on filme juste ta tête. Juste, on filme ta tête, t'es dans une cage, on filme que ta tête. Pour le coup, je valide. Ah ouais. Mais tu as dit frère, tu fais pas de performance comme ça. Tu restes dehors. Voilà, je suis sûr il l'a vu. Visé, je suis sûr il l'a vu, il a dit mais qu'est-ce qu'on fait? On peut pas le dire de rentrer chez lui. Il va quand même rentrer chez moi. Franchement, non, mais il sort tranquillement non, en plus quand vous voyez, il y a plein de comment on appelle ça, il y a des fils qui pendent. Franchement, je veux pas être méchant. Le fil là, il coûte cher. Franchement, je veux pas être méchant, mais il manquerait plus qu'il soit avec Zaz. Avec Zaz. Oh! Oui. C'est le même délire, comment elle se sape. Genre en mode. Marginaux, tout ça. En mode hippie, bizarre. Tu sais. Franchement, là, il a abusé. Frère, non, ça, il manque les dreads et tout. En gros, il s'est arrêté un peu comme dans les années 2000, tu vois. Le début des années 2000, le style qu'on a fait avec les baggy et tout. C'est ça, en fait. On a fait une émission spéciale années 2000. Il y avait des looks qui passaient mieux que ça. Vraiment. Je vous jure, Camaro, il a dead ça dans les années 2006. Donc, à part ça, personne valide le look de Christophe Maé. Qui ose valider ce look, clairement. Que celui qui ose se dénonce. On te renvoie tout de suite. Brice, tu valides pas. Feno, tu valides pas. Anouar, tu valides pas. Zénab, tu valides pas. J'ai versé une larme. On passe à Miss Univers 2016. 16. Iris Mittenaere. Je vous présente Iris Mittenaere en combinaison Jean-Paul Gaultier. Avec des talons, frère, c'est des babouches. On appelle ça des pointillini. Et toi, t'as une place réservée dans un endroit, tu sais même pas. Carré VIP, t'es sur une liste comme ça et en haut comme ça. Non, en grosses lettres. Bref, moi la tenue, ça va. C'est pas un truc. Elle a rien transcendé, mais ça va. Ouais. Mais moi, ce que je voulais souligner, c'est sa frange. Ouais. J'ai pas compris. On dirait pas Carla Luciani là, qui chante sous la grenade. Mais si, on dirait, j'ai trouvé qu'elle a une ressemblance de ouf avec Clara. C'est quand même Miss Univers. Hein. Et alors c'est pas c'est non, pas elle est bien habillée. Aide-moi. Non, clairement, mais c'est là, on c'est un peu Naomi Campbell. Oh, Naomi Campbell. En plus clair un peu. Non, mais Naomi Campbell avant. Naomi Campbell. Même avant Naomi Campbell, c'est mieux que ça. Ouais, c'est la frange, je veux dire. C'est quoi cette frange? Ça lui va pas. Vraiment pas. Mais en fait, c'est une frange qu'elle a rajoutée, elle l'a enlevée. Ah ouais? Direct. Les gens, ils l'ont lynché sur les réseaux. Ah ouais? Ouais, franchement, les gens, ils ont. En général, sur les réseaux, ça a beaucoup réagi. Il y a même eu des mèmes sur Twitter, ils l'ont comparé à des têtes et tout. Enfin, ils l'ont défoncé, la Miss Univers. Ils l'ont dit, on ne fait plus jamais ça, et elle l'a enlevée. Ça, ça dit bien pour des événements comme ça de base. Là, je n'ai pas compris. Je pense qu'elle a eu la flemme et s'est dit. C'est la Miss France qui s'est très bien habillée cette année. Ouais, Miss France. Vayamala Machavez, là. Ouais, la Tahitienne. Ouais, elle s'est très très bien habillée et non, elle, Iris, j'avoue, pour, là, le c'est coup, pour le coup, c'est dommage. C'est vraiment après, c'est pas catastrophique. Hein. Puis là, au niveau de la poitrine, t'as l'impression que ça va exploser. Tu sais, c'est... En fait, bomber ça, genre. Ouais, mais grave. Elle va écraser ça. Le seul... Ça va lâcher, tu vois. Bah, comme tu dis, le seul conseil que je leur ai donné, si je pouvais, c'est vraiment une combi qui aurait. Enfin, il n'y aurait pas eu la ceinture au milieu. Ouais, grave, genre, voilà. Avec un beau décolleté. Exactement. On adore. Ça suffirait. Voilà. Mais là, c'est un peu trop serré. Donc, en fait, finalement, tu m'as soumis cette photo juste pour la frange. Ouais, c'est un fiasco. Je tenais à souligner la frange. La frange. Donc, qui valide son look, qui ne valide pas? Moi, j'aime bien sa combi à part. Moi, je suis... moi j'aime bien. Ouais, ça va après. Ça va, c'est pas mal. C'est pas mal quand même. C'est pas les gamins, ils l'ont terminé. Et après, ils ont dit. Ensuite, ils disent c'est pas mal. Je vous jure que franchement, non, mais sur les réseaux, ils l'ont terminé, les gens. Ils ont mis des trucs. Elle a pas fait d'effort, faut arrêter. Miss Univers quand même. Hein. Elle nous a habitué à mieux. Mais c'est ça, en plus, peu importe l'événement, enfin, c'est un effort. Ah, on passe au look suivant à noir avec notre chère Aya Nakamura. Aya Nakamura. Bah, en fait, pourquoi j'ai choisi ce look déjà pour les. En fait, franchement, là, ce qui va pas, ce qui ne va pas, vraiment, j'aimerais bien avoir votre avis, c'est ses ongles déjà.
Ouais. C'est trop long. C'est des griffes de ouf. Ça vous choque pas, vous? Mais ça me choque. Ça te choque, Zénab, on est d'accord. Je mets des angles, mais pas. Ouais, même toi, Zénab, je trouve qu'ils sont longs de ouf, hein, là, ceux que tu portes. Non, ça va. Ça fait flipper, bref. Ça va. Mais je sais pas, j'ai pas aimé sa tenue, en fait, parce que... Déjà, en fait, elle a une forte poitrine, et qu'elle mette un décolleté comme ça, Ça écrase un peu sa poitrine. Voilà, toi, Feno, t'en penses quoi? C'est écrasé de ouf. Elle a une carrure de... Elle a des grosses épaules, du coup. Moi, j'aime bien, moi, j'aime bien. T'aimes bien? Ouais. T'aimes tout, là? Ouais, je sais pas, mais... Non. Après, au niveau. Après, le seul truc, c'est quoi? Le seul truc, c'est que. Ses orteils! Je voulais dire la même chose! Je voulais pas critiquer! Faut pas parler des orteils des gens! C'est bon, ça se fait pas! Franchement, moi j'aime bien, tu vois, parce que pour moi ça fait. Tu vois, c'est au calme, tu vois. Après, gros, tu vas avoir des problèmes! C'est juste que. Fais-nous, t'es foutu! Tu vas avoir des problèmes! Ah, t'as des tu vois, bon. Ils veulent se faire la malle, les orteils, ils veulent partir! J'ai pas l'impression qu'elle a pas mis de crème! Si! Ses bras, ils sont blancs! T'as vu? Et elle a mis de la crème qu'au niveau du torse. Après, ça, je pense que c'est la photo, tu vois, c'est la lumière de la photo. Non, mon frère, elle n'a pas mis de crème. Non, je pense que c'est la photo. Mais. Elle n'a pas hydraté. Mais, franchement, non, la robe. Ça passe. Non, mais pour sa morphologie, Feno, regarde bien sa poitrine. Non, elle est... non en vrai, Feno, dis-moi la vérité. Non, attendez, on va poser les choses. En vrai, moi, cas Dieu. Elle a dit en vrai, donc tout à l'heure c'était faux. Aya, moi je l'aime bien, tu vois. Voilà, tu la connais. Ouais. Tu as un peu, on se connaissait avant. Voilà, mon frère. Voilà. Si tu es un vrai ami, la folie est la vérité. C'est bien. C'est pas la vérité, là, on veut pas ça. Il faut sortir le carton, hein. En direct non, partout. Mais il a fait des retombées, on dirait. Non, pas du tout. En plus, ouais, on se connaît. Il y a de l'eau, frère, si tu veux. Ça fait un moment que, tu vois, on s'est plus parlé. Enfin, bon, hydrate ta bouche et ensuite tu vas nous sortir la vérité. Non, mais t'as le droit de pas aimer, hein, elle va rien. Ouais, en fait, j'essaie de voir ce que j'aime pas, en fait, mais. Mais regarde son décolleté. Arrête, tu penses, voilà. Mais c'est quoi ce forcing, Feno? Bah, c'est fait pour regarder, là. Tu veux quoi, moi. T'aurais pu faire. Eh, laissez-le tranquille. Un décolleté arrondi. Je suis d'accord avec toi. Laissez-le tranquille. Après, bon, je sais pas. Hein. Mais bon, moi, j'aime bien. Non. Là, elle a déconné, là. Elle a déconné de ouf. Moi, c'est vrai que j'ai préféré son autre tenue, moi, la rouge. C'est juste là, là. C'est juste les orteils. C'est vrai que c'est bizarre, tu vois. Il clash les orteils, c'est pas... Non. C'est juste là, tu vois, que je dirais... C'est mystique, tu vois, mais... C'est surnaturel. Mais en vrai, moi j'aime bien. Donc, Zénab, toi tu valides? Moi je valide pas du tout. Tu valides pas? Même la robe, j'aime pas du tout. Le modèle de la robe, j'aime pas. Toi, donc tu. Non. Ouais, là. Ouais, tu valides pas, robe, t'aimes pas. Même la coiffure? La coiffure, ça non, passe la coiffure, quand même. Elle est jolie. La mise en beauté, ouais, même le visage et tout, vraiment, c'est joli. Enfin, après. Mais par contre, la robe, c'est quoi, tranquille? Bah, la mise en beauté, ça va. Ça va, ouais, ça passe. C'est ce que j'aime, c'est pour ça que j'ai juste clashé la robe, je trouve que ça ne la met pas bien en valeur. Donc enfin, toi, Pino, t'aimes tout sauf les chaussures, voilà, on va dire les chaussures. Voilà, les chaussures. Elles sont belles. Mais c'est les pieds qui c'est... Non, mais c'était pour le défendre, c'était pour l'aider que j'ai dit voilà, les chaussures pas, en fait. Je sais pas si c'est les chaussures que j'aime bien, parce que je sais pas, on dirait... Tu vois. C'est qu'ils vont pas avec la chaussure. C'est carré en fait. Ça aurait dû être rond, c'est carré. Franchement, je suis pas fan des chaussures. En fait, j'ai l'impression qu'elle s'efforce pour éviter que ses orteils sortent de la chaussure, tu vois. Qu'elle les plie comme ça, en train de dire quoi? Que ses pieds sont en train de dire laisse-moi tranquille, c'est ça? Ça, il veut le sortir, tu vois. Il veut le traîner sur le tapis rouge. Oh là 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 là. Mais quelle... T'es une gamine. Vraiment, vous deux là, vous avez une place. Moi, j'ai rien dit. Attends, c'est qui parle depuis tard? Il a défoncé l'autre là. Non, mais Aya Nakamura, elle dead ça en général. C'est l'enfant de quelqu'un, hein. Mais là, non. C'est l'enfant de quelqu'un. Arrêtez de dire la vérité. Non, non. Donc, franchement, ça manque cruellement de crème, comme elle disait Nab. Donc, tu valides pas. Non. Feno, toi, tu valides. Et toi, moi, Brice, moi, je valide à moitié, 50-50. Le haut, j'aime rapidement bien. Rapidement, pourquoi, ouais. Parce que j'aime bien le décolleté, il est bien fait, t'as vu. Non. Au niveau des ongles, même si c'est des griffures, tout ça. Ça va. C'est bien fait. La mise en beauté, comme ci, comme ça. Mais c'est vrai qu'on dirait qu'elle s'est battue parce qu'on voit qu'elle a des cicatrices au niveau des jambes, tu vois. C'est la crème qui manque. Elle aurait dû mettre du fond de teint, peut-être. Ouais, après, peut-être. Ouais. Après, je sais pas, peut-être. Je sais pas, mais en tout cas, je sais pas. Je trouve que c'est stylé quand même sur elle. Ça lui va bien. Je trouve que ça lui va bien. Non, mais les hommes, vous êtes bizarres. Hein. Non, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Pour une fois, elle est pas dans le forcing. Je préfère la robe rouge. Ah, non, faut dire, je préfère la robe rouge, Brice. Je pourrais jamais faire mieux, hein.
Elle pourra jamais faire mieux que la robe rouge qu'elle avait après ou pas? Non, ben non, mais c'était un autre événement. C'était un autre événement. Qui a circulé sur... Oui, c'était pour l'événement au Festival de Cannes, pour la soirée Magnum. Ouais, c'était pas mal. Elle était très très bien. Ouais, c'était pas mal. Mais là, non. Mais elle a mis une tenue rouge pour chanter Pookie. D'ailleurs, elle a porté cette tenue, d'ailleurs. Elle a fait du bruit sur Twitter. Oui, elle a fait beaucoup de bruit. Parce qu'ils ont dit qu'en vrai, elle a été habillée par Kiyoshino, qu'on a déjà reçu dans cette émission. Ouais. Et elle a été accusée de, encore une fois, du plagiat. Ouais. Parce que c'est une tenue qui ressemble vachement à ce que Kiyo a déjà créé pour certaines photos. Vous pouvez voir sur son Insta. Et j'ai regardé, ça ressemble de ouf. Ouais, donc finalement, c'est un truc de ouf. Ça se trouve, ils sont rabibouchés. Avec lui, non. Qui sait, peut-être. Non, non, je sais, mais non. Ok. Alors, c'est cette tenue. De source sûre, non. C'est cette tenue. Ouais. Voilà. Elle a beaucoup fait parler d'elle, cette tenue. Et ah ouais. Je trouve ça dommage parce que ça, c'est du Kyo. Ouais, tout le monde était là en mode, c'est Kyo qui l'a habillée. Ouais. Non, pas du tout. Il y a des gens qui ont dit qu'elle ressemblait à un homard avec cette tenue. C'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit. C'est toi, il y a le carré VIP qui t'attend. Elle a dit, on dirait que c'était un homard qui. Bref. Donc toi, t'as aimé cette tenue à noir ou pas du tout? Moi, j'ai bien. En fait, j'aime bien la tenue, mais pas sur elle. Oh, Turquie. Parce qu'en fait, j'ai vu le show hein, ouais. Et j'avais l'impression qu'elle était. Elle était pas à l'aise. Hein. Ouais, oui, elle était pas à l'aise. Par contre, elle était pas à l'aise. C'est pour ça que je te dis que j'ai pas aimé. C'est vrai qu'elle était pas à l'aise quand on l'a vu danser et tout. Elle était pas de. Elle a fait un moment, elle a fait un pas de danse en mode bam bam. Elle a faut avoir l'habitude aussi avec les tenues comme ça sur scène. Sur scène, mais peut-être, comme tu dis, elle a pas l'habitude. Elle devrait prendre l'habitude en fait. Mais elle aurait peut-être dû s'entraîner avant, je sais pas. Peut-être aussi, ouais. Après, en soi, moi, j'aime bien l'idée de la tenue. Ouais, comme ça, ça fait hyper femme fatale avec ses ongles et tout. Ça fait Diablesse, elle serait arrivée comme ça sur le tapis rouge, ça passerait crème. Ouais, crème, franchement crème. Ouais, ouais, ça passerait bien, ça passerait vraiment bien. Non, je trouve que moi j'aime beaucoup. Franchement, le côté un peu avec les flammes et tout, tu vois. Bah regarde le profil de Kiyoshino, tu verras là. Ouais. Enfin, c'est pas la même, c'est une tenue. En fait, il avait habillé Davinor. Je sais pas si tu la connais. Ouais, tu vois qui c'est, Davinor. Et c'est un peu la même inspi. Tu sais, le rouge côté un peu armure, brillant, armure, latex, etc. Enfin, vraiment femme fatale. Et c'est pour ça, je pense, à noir qu'il y a eu plein de retombées qu'ils ont dit. Enfin, que les personnes ont dit que elle avait inspiré. Enfin, elle avait pompé son idée. Bon, en plus, on connaît leur passé les deux. Donc, c'est dommage. Non, franchement, en plus, elle a ramené une fraîcheur, je pense, quand elle a fait son show sur les Energy Music Awards. Elle a rien gagné, quand même. Elle a rien gagné, c'est un peu stupide. Mais bon, franchement. C'est ça que je disais tout à l'heure. C'est totalement stupide. C'est bizarre. C'est bizarre. Hein. Ouais. Ils ont fait gagner vite. Il y a des gens comme Aya, Dadju. Ils ont rien gagné. Franchement, c'est bizarre. Non, c'est tellement. C'est trop bizarre. Ouais. Ils étaient obligés de gagner. Ouais, c'est que. Depuis. Ça fait au moins 2 ou 3 ans et j'entends que ces deux-là, tu vois. Ouais. Et c'est vraiment chaud s'ils gagnent rien. Qui a gagné, à ton avis? Big Flo et Oli, comme d'habitude. Angèle, Mpokora, Jennifer, voilà. Ah, quoi. Ouais, j'avoue, c'est chaud. Vita. Non, j'avoue, là, c'est chaud quand même. Il faut le dépoussiérer, cet événement. Mais je sais pas s'il va encore durer longtemps. Parce que d'ailleurs, ils en parlaient un petit peu en disant que est-ce qu'ils vont encore le refaire les autres années. Je pense pas qu'ils aient eu trop d'audience. Parce que là, les gens commencent vraiment. De plus en plus, ils boycottent. Moi, j'ai regardé tout le temps, mais cette année, j'ai pas regardé. Ouais. Moi, j'ai vraiment regardé par curiosité. Et je me suis dit, est-ce que cette année, ils vont se dire putain, il faut qu'on agisse? Non, c'est toujours aussi catastrophique. Ah. Et on passe à la dernière tenue. Ta dernière tenue à noir. Ouais. T'as kiffé en fait. Je vous tout présente simplement, t'as The Look. On parlait d'Adju. Of the Night. Il a tué. Il a dead ça. Ouais. J'aime tout. Ouais. Même jusqu'au petit détail des lunettes. Mm. Tu vois, il est venu avec une présence, avec un truc, tu vois. Ouais. Et c'est ça, c'est ce que j'appelle un vrai tapis rouge. Voilà. C'est pas Christophe Maé là à côté. Ouais, c'est clair, c'est tu vois. Ouais. Lui, ça fait vraiment tapis rouge. Ouais. Ça toutes fait... les années, quand il vient avec son groupe, avec les Gims, les Glitch. Chaque fois qu'ils viennent, ils ont des tenues incroyables. Ouais. Ouais. C'est parce que ils ont du style. VG Dream. Voilà, ils ont du style. Ils ramènent un truc original. En plus, ils dansent. Ils ont une attitude, tu vois. Ils savent. J'ai envie de dire, c'est un Congolais en même temps. Ah, c'est ça, donc, c'est un Congolais. Donc il faut jamais, qu'il. Franchement, c'est un sapeur. Hein. Si c'est... Ouais, si donc c'est toi aussi, Feno, tu valides finalement. Totalement. C'est carrément mon délire. Toi, à un red carpet, clairement, tu peux t'habiller. Comme ça. Ouais. Comme ça, franchement. C'est totalement efficace. Et aussi, je félicite Dadju pour sa collab avec Booman. Ouais, avec Boo, Il en a pas partout d'ailleurs.
Ah, c'est, hein, c'est ça? Je crois qu'il y a certaines pièces. Ouais, certaines pièces. Ouais. Peut-être ouais. En bas, le haut. Peut-être la veste, je pense. La veste et le pantalon. C'est ce que je me dis, mais je sais qu'il y a du bout là-dedans. Du bout. Bah, en tout cas, j'ai vu la collab, franchement, elle est passe-partout. Pas mal. Tu peux vraiment la porter facilement. Non. Tu peux la porter facilement et franchement, je le félicite pour ça. Tout est bien, franchement. Même les chaussures, je kiffe. C'est cool. Genre un petit peu, voilà. Une vraie prestance, là. Ouais, les Santiago, un peu Santiago. Un spice Santiago, voilà. Ouais, c'est top. Ouais. Moi, j'aime bien aussi le fait qu'il ait, voulu donner un côté, genre, tu vois, comme les policiers américains, avec, quand ils mettent les armes dans les trucs. Tu sais, ça me fait penser à son clip avec VG Dream, Calimero. Ah, oui, c'est ça. Ouais, oui, exactement. Ça, en fait, c'était vraiment, avec les petites lunettes de soleil, ça fait la inspecteur, chaîne, ouais. La chemise brodée. Exactement. En plus, c'est bien taillé, tu vois. Ouais. Exactement. Ouais, c'est bien, c'est top, franchement. Félicitations. Non, mais franchement, il a bien fait. Il a fait le nécessaire. Alors, Feno, on revient à toi. Ouais. Pour clôturer cette émission. Quels sont tes projets futurs? Bah, projet, là, comme j'avais dit, nous sommes sur le dernier single, là, mon bébé. Mm-hmm. Donc, qui tourne plutôt pas mal du tout. Donc là, on lance le clip le 22, si tout va bien, si Dieu le veut. Et après ça, bah, ça va être tournée, promotion du morceau encore plus. T'as des dates ou tout. Pas encore, ça va arriver Bon, aujourd'hui, justement, je parlais d'une date avec mon staff. Ton manager. Manager. Voilà, donc on en parlait. Bon, je préfère pas... pas t'étaler dessus, voilà. c'est pas encore officiel. Exactement, donc je préfère que voilà, tout le monde puisse s'informer mm-hmm. sur mes réseaux une fois que tout sera bon pour nous. Ouais. Et bah, pour la suite, bah, des morceaux et des morceaux, hein, parce que voilà, faut savoir que moi, voilà, je prends tout le temps. Tout le temps ça sort, voilà, ceux qui me suivent surtout sur Snap, etc. Je fais tout le temps des morceaux, tant plus que moi-même j'enregistre moi. Donc ce qui fait qu'il y a des morceaux. T'es autonome en fait et tu peux... On essaye. Donc voilà, en tout cas, beaucoup de choses vont arriver. Mais il faut savoir que ça fait un moment que j'ai plus enchaîné les shows. Parce que c'est vrai que j'étais connu comme l'artiste aussi qui fait beaucoup de shows. Et tout, parce que moi, il me faut de la scène, je suis un gars de la scène et tout. Donc là, avec mon bébé, vu que le clip il est déjà tourné et tout, bon là, on va reprendre les scènes, etc. Donc, pour s'informer, c'est toujours sur mes réseaux. Et tes réseaux, ton Snap, sur quoi on voilà, compte Feno Ambro, PHENOAMBRO sur Snap. Pareil sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, voilà, tout est pareil, phénomène. Est-ce qu'il n'y a pas une collab que tu aimerais faire? Avec quel artiste tu devrais faire une collab si tu devais en faire une? Franchement, si je devais en faire une, en France, je dirais soit Dadju, soit Maître ouais. Gims. J'aurais dit Dadju, pareil. Voilà. Ouais. Voilà, bon, en France. C'est et Aya Nakamura, ça te. Ouais, ça me dirait bien. J'aime bien. Elle a un délire, tu vois. Ouais. Elle a un délire et tout. Et je pense que ça pourrait coller aussi. En meuf, ouais, c'est vrai que Aya, ça, franchement, ça pourrait coller. Donc, mais sinon, Dadju. Donc, genre Jennifer ou Pierre Palmade, c'est pas vraiment un truc. Ou Christophe Maé, c'est mort. Ça peut être tu l'habilles, au moins tu l'habilleras, ouais. Tu feras une bonne action. Après, c'est de la musique, tu ça vois. Peut être une connexion. Ouais, ouais. On sait jamais, tu vois. Zaz, ça peut être ouf, tu vois ce que je veux dire. Ouais, comme ça, je sais jamais. Lui glisser, hein. Gros, si jamais le son il buzz, bon, ouais, énergie, un effort s'il te plaît, tu vois, parce que là ça nous avantage pas. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite, ouais, Feno. T'as remonté le niveau sur le tapis rouge. Ouais. Ouais. On t'attend au Energy, voilà, on t'attend au Energy Award, Music Award de l'an prochain. Ouais, merci. Et c'est tout ce que je te souhaite. Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah. Alors, il est 21h31. Alors, on se dit à lundi prochain. Yeah. Je vois que vous êtes triste là. Ouais, bah, on était bien ambiancé là. On m'a ambiancé. Mais oui, mais oui. Donc, on se retrouve la semaine pro. Ouais. On se retrouve la semaine pro avec un nouvel invité et un nouvel événement ou des nouveaux événements. On se quitte avec Éliminé de toi, Fénombre. J'ai vu tes yeux qui sont écartés. Tu attendais pas. Alors, salut. Peace. Agir comme ça.
comme ça, tu n'as pas allé lover, la go t'a plaqué, éliminé, maintenant tu as lové, elle veut te michetonner, éliminé, avant tu la négligeais, tu n'avais pas son temps, éliminé, la petite a changé, tu veux l'amour ou pas, éliminé. Mon frère, attends, je vais t'expliquer, tu es pressé pourquoi? Oh, hey, ma copine.